Force est de constater que cette histoire est atypique. Pour la restituer, je tenterai d'être synthétique. Cessez vos roulements de tambour, que débutant de mots. L'histoire d'amour d'une faille et d'un stylo. Au bord de la déprime, puisqu'il était tombé en panne. Un soir de grise mine, voici que Mr. Waterman, dans un élan de joie, comprit qu'il oublierait ses peines en rencontrant Mrs. Claire Fontaine. Une ligne de modèle dans sa jolie robe à carreaux. Un ange tombé du ciel, il s'en alla lui dire un mot. Ôtant son capuchon pour ne pas froisser la diva, le stylo polisson lui dit tout bas: excusez ma chère demoiselle si je vous importune, mais vous êtes à mes yeux si belle que dans mon infortune. Bercée par mes ardeurs, je vous le dis, la mort aux trousses, mais votre splendeur me perce et me touche. La vie est bien trop courte pour que nous en suivions les règles. Et je suppose, ma douce, que votre sang est une sève qui ne se marie point avec des ambiances trop feutrées. Sachez que j'aime fuir la réalité. Quittons pour un instant nos vies parsemées de ratures. En marge du présent, je vous propose une aventure. Et vous déclare ma flamme en toute poésie, croyez-moi. Arrête. Car je connais les femmes. Du bout des doigts. La tendre et belle jeune feuille jusqu'ici restait silencieuse, d'une apparence maligne et d'une petite voix malicieuse, répondit en ces termes à Mr. Waterman brûlant, jugé par vous-même de son répondant. Cela fait 20 minutes que tu me gaves de politesse, tel un touriste en rut qui bave devant une feuille de l'Est. Majeur et vacciné, je ne suis pas ta petite puce, j'ai été élevé par un papyrus. Et nous avons du caractère, dès lors si tu désires très cher me mettre à quatre pattes, fais-moi rire et en un éclair je serai plié en quatre. Peut-être auras-tu le loisir de pouvoir jeter l'ancre. Fais-moi rire, wesh b-boy. Représente. Et marge-moi Rocco et feuille-moi à en perdre haleine. J'ai connu des pinceaux, ne me raconte pas tes poèmes. Tu m'as pris pour une vierge ou quoi, je veux que tu m'éclabousses. Qu'attends-tu donc pour me mettre une cartouche? Je suis une fugitive qui vit en marge du système. Suite à 2-3 litiges, les polices du coin me recherchent. Cesse de me faire la cour, maintenant que mes œillets scintillent. Fais-moi l'amour ou va jouer au bille. Ce qui est vraisemblablement normal pour un stylo. Une fois n'est pas coutume, c'est surprenant, mais le stylo mise à point de sa plume pour cette feuille au bout du rouleau. A trop joué les shows devant ce petit bout de femme. Le pauvre est à nouveau tombé en panne.